comment vous pensez que la mairie à Genève-là, il va en état pour attaquer le problème? La mairie a pour moi un état-major qui va fonctionner. La mairie a des problèmes depuis dans l'organisation, hein, qui fait que même aux amis, on va demander pour qu'ils aient en bas de son lit. Et pour moi, par contre, à niveau entraînement, la mairie a yé. Parce que dans la promotion formée, je n'ai pas aucune idée de formation que vous avez, donc je ne vais pas parler de vous. Sénateur, nous connaissons que la police n'a pas de résultats satisfaisants sur le service de l'enseignement secret. Maintenant, est-ce que vous pensez que vous avez effectif et PNH n'a pas de résultats? Nous ne parlons pas au moins d'effectifs, nous parlons d'une unité à hauteur d'une compagnie qui doit être la dent pour une unité de renseignement. Et c'est parce que moi je connais que gros problèmes qui entrent dans la police là. Gros déficit, c'est l'intelligence qui fait à l'intérieur de l'unité ça, dans la méthode unité d'intelligence. On y a où on parle des plans ça, en fait, à qui est capable d'expliquer le plan ça, à appliquer. Ça va dépendre de moi. Je suis toujours disponible et disposé. Haïti en action, à travers ses juristes, à travers ses compétences hein, en sécurité, nous disponibles et disposés. Nous simplement, ouais, qui n'ont pas attendu, et bien nous avons parlé de ces paroles-là. Et passé, je dis à remercier la mission, puisque c'est nous pour le porter parole là, jusqu'à se diriger, vous comprendre, question de sécurité, à son priorité. C'est pas un détail, il faut nous batailler pour nous protéger, chaque Haïtien. Merci beaucoup, merci beaucoup, En 2018, pendant la première manifestation, eh bien, pouvoir de financer ANEL avec des centaines d'hommes armés, je devine paniquer dans le Parlement. Et puis après, le président a fait Yovini, bon, Radio Kiskeya, où il a croisé avec nous, et puis il a dit c'est nous-mêmes qui nous disons. Il me débat information de ça, désir président Jovenel qui fait. Donc, pour afficher mémoire, quand nous là longtemps, sans se parler à c'est le banditisme politique. Le monde utilise gang pour arriver sous pouvoir. Mais lors au pouvoir et que vous utilisez gang pour arrêter, c'est le banditisme d'État. Qui c'est politique, qui c'est État, tous les décondamnables, et ni au terme matériel, ni au terme intellectuel. Ils sont tous condamnés. Que ce soit banditisme politique ou banditisme d'État, nous condamnons tous les deux. On parle de sécurité, nous on parle seulement de la police. Et là, mais il y a une question. Question de conseil électoral. Pas de conseil électoral dans l'opposition. Conseil électoral, c'est soit un conseil électoral permanent ou bien un conseil électoral consensus. Ça, c'est là, ni un ni l'autre. Quand ni un ni l'autre, nous allons dire que pour nous, on va exister. Qui ça qui t'a empêché pour le ministre? Faire choix de blanc ban. Et en deuxième lieu, vous parlez de budget pour gagner pour tout maïsa dans la chaîne de sécurité à fonctionner. Est-ce que comme ça est disponible en Haïti? Moi je dis premier ministre Ariel Henry que sécurité a ses priorités. Elle m'a parlé de l'île de 10 détails, moi je dis non, c'est la priorité. Je suis servi de problème. Mais moi, je dis un seul bail qui manque. Il faut qu'on consensus. Ariel Henry a le seul bagage de légitimité pour le mener par pays. Il faut que un accord global et inclusif qui baille les légitimités, qui a bien Montana, qui a bien Pen, qui a bien Tiasena, qui a bien marché pour la vie, et lui-même accompagne là. Nous pas qu'à engager nous aujourd'hui, eh bien, non seule voix, alors que le peuple haïtien, à travers différents leaders, ils ont exprimé ça, vous voulez, pour nous d'accord pour mettre ensemble. Et là, ça a à l'aise pour que dans l'accord, ça a, nous entrer là-dedans et nous dit ça a fait là-haut. Ça veut dire que dès que nous avons l'attitude là,
bien dans 3 mois, question de sécurité ça. Il y a un pouvoir de changer les gens dans la police. En dedans la police là, côté des policiers qui n'ont pas eu, ça fait 3. Et il faut que la mentalité que nous avons aujourd'hui, quelle que soit la situation, il faut que toute la population dise à la gang, à la police. C'est la sénateur. Et nous avons avec nous, directeur Haïti en action, que nous très content là, qui est pour nous là, nous avons une coordination de l'OSLA. Qui je dis à montrer, qui réunit ensemble avec elle et qui montre l'importance de la question de sécurité. Je dis à ça nous remarquer, c'est que toute priorité pour la population, c'est rétablir la sécurité pour tout le monde. Par exemple, l'autre bagaille que nous avons en action dans le palais, c'est comment pour nous mettre bon en sécurité. Nous faisons pile réunion sur ça. Actuellement, nous sommes en réunion directoire là pour nous parler de sécurité. Parce que c'est lui qui est important pour nous, parce que chaque jour, tout le monde va gagner. Il a kidnappé les femmes, il a violé, il a kidnappé les gens qui vont travailler, il a demandé au premier bagage. Et chaque jour, ça nous est, gang a augmenté dans votre président. Dans chaque espace, on a dit chaque jour, information gang. Alors que ça nous dédouait, justement, disparition comme yo. Et ça nous est, je dis, c'est qu'au niveau international, il y a déporté un pile monde. Il y a déporté environ 4000 Haïtiens. D'après le rapport que nous recevons de tout vol qui rentrait pour au prince dans le cap haïtien. Mais nous connaissons ce qui s'est passé. Mon frère qui est rentré là. Nous connaissons les Haïtiens qui ont des difficultés. Mais vous ne savez pas qui est infiltré dans les gens. Lorsque vous êtes rentré, vous quittez le OIM, vous n'avez aucun fil qui fait de record. Est-ce que le pays n'a pas pu filtrer 2-3 millions d'euros que vous avez envoyé par nous? Parce que ça a fait encore l'atmosphère de sécurité à l'époque. Donc je dis à l'État réveillatif. Dans deux points que l'État devait attirer. Premièrement, nous avons qualifié l'insécurité en Haïti de banditisme d'État. Ça veut dire que c'est l'État qui est associé avec Gangyo pour que Gangyo fasse acte malhonnête. Et nous disons, nous voyons que le jour de là, nous voyons que les actes qui commettent contre le Parlement, les actes qui commettent dans la rue, ou à dire qu'il y a des mains politiques derrière toujours. Non seulement l'État doit retirer le col de Gangyo, mais l'État doit prendre toutes mesures pour le protéger le territoire, pour que n'importe qui est capable de ce territoire, l'infiltre pour le connaître son monde qui n'a pas grandi Gangyo. Ça, c'est le premier travail que l'État doit faire dans la question de banditisme d'État, pour que, dans un premier point, l'État est là pour la population. L'État là pour protéger la population et gagner yo isolé. Deuxième point qui est important, nous voyons que je dis à la petite la police cadrille pour vous, c'est votre parole. Et pas ça qui est solution. Ou pas qu'à cadrille pendant qu'il y a des zones de non-droit. Ou qu'à cadrille, le que pas qu'il y a des zones de non-droit. Zone qui est de non-droit, ou pas qu'à cadrille. Même le cadrille au côté. Eh bien. Depuis c'est dans la zone ça qui est là. Depuis c'est dans la zone ça, je ne sais pas ce qu'on fait. Je dis déjà, c'est déloger les gangs côté OIA. Et pour nous déloger côté OIA, il y a un plan pour nous mettre en application. Le plan ça, il doit y avoir deux parties là. En première partie, c'est entreprendre une réforme dans la police pour que
yo ka nettoyer la police là. Il y a pile policier qui infiltré la police. Pour que yo ka redéployer font redéploiement opérationnel par rapport au redéploiement administratif qu'il a. Yo doit mettre policier remettre en formation. Ça c'est première partie de façon générale. Mais deuxième partie qui est extrêmement important, c'est comment pour nous déloger ou dans le nous sommes depuis longtemps dans la ville, nous gagné. Ça a été les unités anti-gang. Quand il y a un gang dépassé, il y a une tournée des terroristes. Et il faut que nous nous unions justement. Nous avons dit anti-gang slash anti-terroriste. Parce que c'est dans le gang, que c'est dans le terroriste, il faut nous déloger. Et nous dit pour ça, les grandes lignes de ce plan. La police n'a pas de moyens pour le confronter à gang. Ils ont vu que les réagir en petite unité. Les unités de 4, de 8, de 12. Les 100, 200, on va pas mettre une unité sans avoir avec eux. Pourquoi tu me déloger eux? C'est pour monter une unité à grandeur effective d'une compagnie. Il y a au moins 6 entités là-dedans. Le cas dit 6 pelotons. Qui consacrent eux essentiellement pour combattre gang. Et en une unité ça, pour gagner 3 sous-unités. Une unité d'intelligence, une unité d'infiltration et une unité de combat. Parce que dans ça, il faut combattre pour protéger la population. Une unité d'intelligence, c'est lui qui va le faire intelligence et qui va le sommer, monsieur, remettre ça. Là. Si on remet, bon. Si on va remettre, unité d'infiltration, il va le connaître, leader, le monde qui va le remettre. Il vient pour mener au-devant la police. Et si c'est d'autres monde qui a défié la police va nous combattre. Nous devons combattre. Dans cette population, nous sommes monde qui vont combattre aujourd'hui. Et ça a alimenté au budget. Ça a alimenté à ce que les policiers que vraiment, ils ont filtré pour qu'ils connaissent qu'ils ne peuvent pas prendre, qu'ils ont mis à part, qu'ils ont formé. Ils ont alimenté au budget pour qu'ils mangent. Ils ont alimenté au budget pour que les gens. Les gens toujours disponibles à n'importe quel moment pour que nous puissions combattre les kidnappés, nous puissions combattre les gangs. Et ceci, si nous faisons, moi je dis déjà, dans 3 mois, nous avons des résultats. J'ai la police à fonctionner là, nous dit la police, unité que nous avons qui est de 80, 200 personnes, c'est trop petit. Il faut lui faire une seule unité. Et l'unité ça, la charge de questions de gang, pendant que la police a occupé des questions normales. Demain, nous allons nous rencontrer à l'émissaire. Il y a un point majeur que nous allons parler avec vous, c'est la question de sécurité. Parce que je dis, nous n'avons pas besoin de groupes étrangers. Nous avons besoin des experts qui ont venu aider nous dans la formation, qui ont fait que l'équipement nous a besoin, l'équipement approprié. Je dis blindé, je viens d'acheter. Je dis, pas des blindés, c'est des blenders. Je dis, nous besoin de blindés. Nous besoin de drones. Nous besoin des experts qui ont des informations ou bien des experts qui ont aidé à l'opération. Parce que tout étranger par exemple, combattre banditisme dans l'autre pays. Nous besoin que vous formez une idée par nous, pendant que des experts haïtiens, et moi-même, je vais volontaire en formation, pour que nous formions une idée. Nous avons une discipline appropriée et que nous délogions. Il y a un point important que nous allons parler, c'est la sécurité. Pour le moment, nous tous nous devons marcher sur la sécurité. Et nous avons fait de combat ça pour nous protéger les Haïtiens. Protéger les familles, protéger les timons, protéger les pasteurs, protéger les pères, protéger les grands mounis, protéger les handicapés, protéger les familles. Comment tu comprends pour une soeur ou une cousine et vous attendez qu'il y a kidnappé ou violé? Ceci est inadmissible dans le moment que nous vivons là. Et je dis à Haïti en action, il y a le devoir. Pour bataille sécurité, il faut faire tourner le choix de bataille. Pour nous résoudre le problème, ça. Parce que nous sommes capables. C'est une tolérance qui gagne qui fait que nous avons une sécurité. Nous te dit, oui, nous te dit. Depuis avant Jovenel Ayen. Si Jovenel pour aller, les Jovenel Ayen n'ont pas responsabilité dans la question sécurité. Et comme de fait, nous prenons, c'est nous qui soumettons le plan à Premier ministre. C'est nous qui soumettons le plan à la police là.
mais vous campez dans la route. Mais nous, vous campez dans la route, vous continuez à parler de ça. Nous continuons à travailler pour que ça nous a fait à nous faire. Mais pour agir bien, pour responsabilité d'État. Pour responsabilité d'État, pour des mounières. Captain Mounio, si nous avons pouvoir, la responsabilité, et la faire. Mais si nous ne la donne, nous ne pouvons pas faire. Nous avons plan, nous avons conseil. Nous avons parlé de lui en politique jusqu'à ce que l'autorité prenne conscience que la sécurité, c'est la priorité. Et je dis, il faut nous agir pour tout Haïtien pour protéger. Et je dis, c'est mon détail. La sécurité n'est pas un détail. La sécurité, c'est la priorité. Et nous-mêmes, nous décidons de batailler pour ça. Jusqu'à ce que Mayimi, jusqu'à ce que tout peuple haïtien ait sécurité. Merci. 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 Merci.